The 2K Sports Pregame Show. Hello, everybody. Ernie Johnson here alongside Shaquille O'Neal and Kenny the Jet Smith. Welcome to the NBA on 2K Sports. Tonight, it's the Houston Rockets as they'll be playing against the Miami Heat. For the Heat, they're not satisfied with the record over the last 10 games. Under 500 basketball, just not good enough. Looking to improve tonight. And a chance in this one to get a look at the NBA's leading scorer. Freak has just been incredible so far this season. Just defies description. Do you see him holding onto the scoring title this year, Kenny? Well, a big thing for Freak is trying to avoid the stat-chasing things that a lot of former players tried to do. Just getting his points. Now, if he just comes in and plays the way he's been playing, then he will be that guy. Let's go to the big stat chaser. What do you think about Freak's year? You know, it's never easy to hold on to the scoring title. You know, teams start to double and triple team you. I can remember one year, Ernie, I was averaging 29.5. David Robinson was averaging 29.3. I play a game. All I know is he scores 71 points against the Clippers. It was the last game of the season. He gets it. Freaks has all the skills to keep up the scoring like this, but Kenny's right. He can't chase the stats. Well, I'm glad that we could open up that old wound on the Admiral. Sure did. Yeah. Thanks, David Robinson. Don't let me see you in San Antonio. Shout out to the Admiral. Here's Kevin Harlan with the call. Remember the Alamo. On est parti les amis pour notre match face au Miami Heat. C'est Kato 34, j'espère que vous allez bien. Et je vais baisser les commentateurs. Voilà les amis, on se retrouve pour le match face au Miami Heat. L'équipe qui est vraiment plus l'ombre, enfin est vraiment l'ombre de ce qu'elle était avant. Franchement c'est vraiment plus ça fait vraiment plus aussi peur qu'avant. Mais il va falloir quand même se méfier. Et donc, on rencontre les Miami Heat sans Chris Bosh. Je ne sais même pas s'il est présent sur le banc ou s'il est blessé ou quoi. En tout cas, il ne faudra pas le sous-estimer, cette équipe de Miami. Il faudra jouer à fond tous les coups. Tous les coups, comme je l'ai dit. Et oui, ah non, elle ne passe pas. Et donc, il va falloir aussi faire le pressing. On va jouer comme d'habitude. Pressing à partir de la fin du premier quart-temps et ensuite il y aura pressing tout le match, donc pratiquement tout le match. Voilà, belle défense, la petite passe pour Snell. Allez, vas-y Snell, bien joué ça. Mauvaise passe quand même, c'était quand même dangereux la passe. Attention parce que avec Aslem, Wade et comment il s'appelle encore l'autre, je me rappelle plus, le pivot là, Westside je pense. Il faut quand même se méfier, hein, parce que Westside, c'est quand même un bon pivot. Il est jeune, mais il est très très bon. On va falloir se méfier. Bon, Howard, tu es là, donc on va faire une tactique. Comme d'habitude, la punch 24 quick. Allez, nickel. Tout le monde est bien placé. Le tir, et ça passe. Nickel. Allez, 2-2, on commence bien. Première passe décisive. On va attendre... dès qu'il reste 2 minutes pour faire le pressing. Belle défense, voilà, belle défense, magnifique défense. Contre-attaque, la balle. Ouais, c'était dangereux ça, mais heureusement ça passe. Je suis seul, je tente. Et elle sort, dommage. Howard, yes! Les 2 points plus la faute. Ça fait plaisir. Les 2 points plus la faute. Dwight Howard, il faut que tu marques le lancer franc là, please. S'il te plaît, t'en as trop raté la semaine passée. Et tu marques encore, enfin tu rates encore ton lancer franc. Génial. Cannon, je vais pas vous mentir, je le connais même pas. Donc je ne sais pas si c'est un joueur fictif ou un vrai joueur. J'ai jamais, non. Oh non, bordel. Bon, j'ai jamais entendu parler de lui. Donc je sais vraiment pas si c'est un joueur fictif comme je l'ai dit. Donc je me pose vraiment des questions. Bon après, que ce soit un joueur fictif ou pas,
ça va pas changer ma vie. Allez, let's go. Encore une fois, cette tactique là qui marche bien. Allez, la petite passe ici, bel écran. Le petit shot et les 3 points. Non, c'est à 2 points. De James Harden. Allez, j'espère qu'il va continuer à planter des petits shots comme ça, ça serait bien. Par contre, je ne sais pas si c'est la meilleure solution de mettre James sur Wade. Je ne pense pas. Je pense que je devrais, moi, défendre sur... oui, la bâche sur Wade. Je pense que ce serait moi qui devrais défendre dessus. Une petite passe ici pour Snell. Et les 2 points. Nickel. Allez, 8-4. On est bien dans notre match. Deuxième passe décisive pour moi. Troisième passe décisive. Un rebond, j'ai pas encore marqué. Après, moi, je peux très même passer de marquer. Hein. Moi, tant qu'on gagne. Et j'adore faire des passes des aussi. Donc, je peux très même passer de marquer des paniers. Oh, l'écran. Enfin, le bâche. La bâche, oui, nickel. Allez, Harden. Harden. Tu es seul. Ah, bien joué, belle passe. Oui. Ah, dommage. Attention à la contre-attaque. Canan au ballon. J'ai reçu un petit écran ici. Non. Faute, non, il n'y a pas de faute. Ah, il marque quand même, Westside. Westside, franchement, c'est une grande surprise. L'année passée, j'ai regardé certains des matchs des hits. Et franchement, j'étais vraiment surpris. Il m'a vraiment surpris, ce joueur. Je trouve qu'il peut vraiment être un excellent pivot quand il le veut. Donc franchement, j'espère qu'il va percer, ce petit Westside. Il prend énormément de rebonds. Ça aussi, j'avais remarqué. Il prend énormément de rebonds, donc ça risque de faire mal, surtout que Howard, par moment, il est absent, hein, des fois. Ce qui devrait pas être le cas, logiquement, mais bon. Parfois, il est absent. Donc, j'espère que... Voilà, j'aurais pas dû tirer, là. J'ai fait une connerie. J'espère que Howard va pouvoir tout simplement se réveiller aujourd'hui au niveau des rebonds. Et au niveau de la défense, aussi. Et ça, ça vaut pour toute mon équipe. La défense. Parce que la défense catastrophique qu'on a eue lors du précédent match, c'était vraiment incroyable. Allez, Harden, tu prends l'écran. Ok, bien vu Harden, bien joué Harden, nickel. Tu me fous presque pas dans la merde. Allez, et voilà, je rate mon 3 points et en plus il se fait contrer. Beau démarquage Harden, hein. Beau démarquage. Allez, j'ai tenté le bosh. J'ai tenté le bash. Allez, hop, on va partir là-bas, voilà, magnifique. Non, j'ai raté mon shot. J'ai raté mon dosage. Allez les gars, faut se réveiller. On attaque, oui, bien joué. Allez Harden, allez, faut que tu la marques là. Voilà, tranquillement, tranquille pépère. Et on va passer en défense de... défense tout terrain, après cette action-là. 10-10, il reste 1 minute 55. 0 points, 1 rebond, 4 passes D. On est bien, on est, je pense qu'il y a moyen de faire un double-double ici. Hein. Vu que je suis déjà à 4 passes D en un quart temps, il y a de grandes chances qu'on fasse un double-double. Allez, 10-10, je sors et je rentre à 17-16. Donc on gagne et je rentre et il reste 6 minutes 38 dans ce deuxième carton. Bien joué ça. Nickel. Attention, bien joué. Par contre, la saison, bien joué ça. Allez, vas-y, la petite passe ici pour Harden. Je suis tout seul. Je tente. Et elle sort, dommage. Allez, attention à la contre-attaque. Attention à la contre-attaque. Le rebond. Faute de Westside. C'est sa deuxième faute déjà. Ça, c'est bien ça. C'est nickel. Allez. Faut le mettre en difficulté de faute. C'est quoi, on va provoquer ça en faisant. Je sais pas si c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est pas grave. Faut que je trouve tout simplement quel est la contrainte là pour les deux. Enfin, pour provoquer des fautes. Oh, bien joué! Bien joué, Howard. Howard. Je me trompe des fois entre les deux. James. Voilà. Allez, beau pressing là, on continue comme ça. Continue comme ça, il va faire une erreur. Ah non. Ah, je m'attendais pas à ce qu'il fasse la passe directement à lui. Attention, enfin un petit switch. Attention, Westside, ça va être dedans ça. Et voilà. 19-18, 5 minutes 25.
Dans ce deuxième carton. Allez. On va faire une petite passe ici. Pour Howard, vas-y, fais ton petit 1 contre 1. Provoque une faute. Non, il ne provoque pas de faute, dommage. Allez, on défend bien. Attention, faut pas laisser tirer. Ah non. Ok, on va changer de mon joueur deux fois de suite. C'est pas grave. 19-20. Ça va être quand même un match serré. Il faudra, comme je l'ai dit, se méfier. Hop, on refait la tactique ici. Allez, Harden, je compte sur toi. Je compte sur toi, Harden. Oui, Harden, voilà. 22-20. 3 points de Harden, ça fait plaisir. Allez, on presse là. Belle défense sur Wade. Il fait pas la passe. Dommage. Attention à l'écran. Voilà, bien joué. Belle défense de ma part. Attention. Il rate son petit flotteur. Et on va retenter encore une fois le punch 24 quick. Ah, j'étais passé. Allez, petite passe ici. Allez, je suis seul. Mais non, mais je suis seul. Oh là là, dommage. Au moins, on ne perd pas la balle. Mais il reste 6 secondes. Je vais devoir tenter un shot rapide. À moins que le coach veuille autre chose. Je ne sais pas. On verra bien. Il ne demande rien. Ok, bon, il ne demande rien. Captain, depuis l'All-Star Game, 10,9 rebonds. Ça va. Pour un meneur de jeu, c'est pas mal. Hein. Allez, il va falloir prendre un shot rapide. Il reste 6 secondes. Allez, shot. Mais shot, abruti. James, faut que tu te réveilles là. Bon. Allez, ça va pour le moment les stats, 5 passes D, 1 rebond, 0 point. Il va falloir aussi que je me réveille moi et que je prenne mes shots, hein, parce que pour le moment je ne prends pas assez de shots. Ou alors je les rate tous, tout simplement. Allez les gars, on défend bien, beau pressing. Oui, voilà, un petit passe ici pour Harden. Allez Harden, tu dois la mettre, faute. Et oui, M1. Allez les gars. Ça fait plaisir. 24-20, si le marque, ça fait 5 points. Et on serait bien. Allez Harden. Oui Harden, bien joué. Allez, pressing encore. Histoire qu'on puisse faire encore un stop. Si on fait encore un stop, là, ce serait nickel. Ah, dommage, j'appuie trop tard. Attention, le petit flotteur qui passe. Magnifique flotteur. Alors, on va essayer de le passer. Ça passe au physique. Oh non, oui, ça passait quand même. Il aurait quand même pu tenter son shot hein, là. Bien joué, ça. Belle action, voilà. 27-22. Allez, encore une fois, on défend. Kanan. Bon, je sais pas. En tout cas, c'est le meneur. Faut défendre la belle défense et une faute d'Harden, ok. 27-22, 3 minutes 5 dans ce deuxième carton, il reste. Channel de à moins, toujours pas marqué un point. Un rebond et 6 passes décisives, 2 interceptions également. Ce qui est pas mal, c'est que j'ai fait 6 passes D déjà. Par contre, les rebonds, j'ai vraiment du mal dans ce match. En même temps, il y a un petit West Side hein, qui est là, donc c'est un peu normal. Allez, 27-24. On va tenter autre chose, celui-là. Je sais pas si je l'ai fait. Ah si, j'ai déjà fait. Celui-là, c'est celui-là, hop. Merde, je suis trompé de touche. C'est pas grave, oui, ça passe. Non, ça passe pas, dommage. Je voulais faire la passe à... Enfin, vu qu'il a roulé, je voulais faire la passe à notre ami Howard, mais je me suis trompé, malheureusement. Faut pas laisser tirer Green. 27-27. Ils sont revenus à égalité. Alors, peut-être que c'est ça. Non, c'est toujours pas ça. Allez, petite passe ici. Allez, carte là-bas. Allez, tout seul Harden. Et il rate encore une fois Harden. Ah, ça va pas du tout là, ça va pas du tout. Il rate tous ses shots. Merde, je pensais qu'il est shoté.
Donc faut savoir, soit je défends sur The Wade, ou soit je défends sur Kaman. Ah, Kaman. Allez, deuxième rebond de ce match. La petite passe ici pour Harden qui va au layup. Il fait la passe pour Snell. Snell qui fait un petit shot contre la planche, complètement raté. C'est dommage. Attention à la contre-attaque. Je défends sur qui, moi? Faut savoir. Hein. Non. Ah, il marque. Il marque son petit layup. Enfin. Il m'a bien eu en backdoor. Allez, vas-y, il m'a joué ça. Snell au shot. Et ça rentre. Allez, les gars, faut se réveiller. Ce serait bien qu'on se réveille là. Et que je me réveille aussi. Parce que j'ai pas encore marqué un seul point. Et on va arriver au deuxième quart-temps. C'est rare. C'est rare que je marque pas comme ça des. Ouais, ça veut dire aussi que peut-être que je suis pas en réussite. Hein. Le rebond. Voilà, belle défense et beau rebond. Allez, on va essayer d'y aller. Non. Allez, vas-y, Harden, je suis tout seul là. Je vais être tout seul. On tente, je vois pas mon timing. Je vois pas mon timing, mais je le rentre quand même. Voilà. Et c'est un 3 points. Voilà, nickel ça. Ça nous relance. Ça nous remet dans le match ça. 32-29. Il reste 45 secondes, il restera à peu près 2 possessions. Voire 3 peut-être. Au grand maximum. Ah, j'ai essayé d'intercepter. Attention à l'écran, il shot. Et il marque. 31-32, ça va être serré. Il reste 34 secondes. On va faire une isolation. Isolation. Allez. Et vas-y, Howard. Tu as l'avantage. Voilà, bien joué. 34-31. Allez, pressing, là, il faut pas qu'ils passent. Ils peuvent pas passer. Ils peuvent pas passer. Attention. À Wade. Allez, belle défense. Non, faut pas laisser tirer. Et c'est raté. 34-31 à la mi-temps. Ça va, c'est un bon match pour le moment. Très équilibré. Your decisions have been on point to this point. Kevin, over to you. Thank you, Norris, and we'll be back for the third quarter of action following halftime. Listen up, everybody. The second half doesn't have to be as close as the first. We pay attention to a couple of things. A nice chunk of our offense in the first half came from the low post. And one thing that should definitely do for us in the third quarter is open things up on the perimeter. We should have a lot of room to operate outside. On a good note, our passing has been very smooth. You set each other up with some really nice assists. That's strong team basketball. Let's keep it up. And when we get back on the court, let's do everything in our power to get the ball into the post. I want us feeding it down low at every opportunity. This is a very tough opponent, and we've got a difficult half in front of us. But I've got all the faith in the world in you guys. I know you can get this done. Allez, on est reparti les gars. Apparemment j'ai eu 500 fans en plus, donc ça c'est nickel. Donc pour le moment à la mi-temps, 3 points, 2 rebonds, 7 passes décisives. Il y a de grandes chances que je fasse un double-double, parce que je vais marquer plus de 10 points, ça c'est sûr. Et il me manque plus que 3 passes D à faire pour obtenir le double-double. Donc je pense qu'il y a
Très grande chance, belle défense. Allez les gars, contre-attaque. Allez Arden. Hop, une petite action encore une pour toi Arden. Ou alors pour toi Howard, à voir. Allez, voilà, nickel. Allez, c'est bien ça les gars, on continue. Huitième passe décisive. Là, il va faire la passe vite. Ah non, dommage. Ah non, il est mal défendu. Mal défendu. On va continuer cette action. Enfin, cette tactique, plutôt. Allez, la petite passe ici pour Arden, magnifique. Oui, tu m'as vu. Voilà. Ah, elle rentre. Nickel. Allez. 5 points de rebond, 8 passes D. On est bien. 38-33. C'est un match très beau, très serré également. Je pars pas beaucoup de points dans ce match. Je vais pas en marquer beaucoup, je pense. À moins qu'il faut que je fasse le jeu. Et que je prenne le match à mon compte. Mais je ne pense pas que ce sera nécessaire. Aslem. Il a raté, je pense. Oui, il a raté. Tant mieux. Allez, rate-moi ce deuxième lancer franc, ce serait bien. Et il marque le deuxième. 34-38. 4 points d'écart. Ça loin d'être encore fini. Hein. Ça loin d'être encore fini. Je vais faire ça jusque temps que je peux. Enfin, que j'ai eu. Que j'ai mon double-double. Hop là. La petite passe ici. Le shot, le rebond. La faute sur moi. Il y a une faute là sur moi. J'ai quand même pas été déséquilibré comme ça tout seul. Il y a quand même une faute sur moi, je pense. Attention, la passe sur outside. Ça joue bien à passe. On dirait les Spurs. Attention, faute. Et voilà. Et là, il y a faute. Et en plus, les 2 plus 1. Bon, 36-38. Ça risque d'être 37-38 maintenant. Et voilà. Ils reviennent dans la course grâce aux arbitres. Mais bon, c'est pas grave. C'est loin d'être encore fini. Défense sera Augustin. Ok. Allez, les 5 minutes 12. Il faut au moins prendre 5 à 10 points d'écart à la fin de ce carton. Alors, hop. James Harden est toujours là. Oui, il est toujours là. Allez. Allez, James. Allez, James, bien joué. Le rebond. Faute de Aslem. Faute personnelle, ok. Donc, mon rebond ne compte pas, je pense. J'ai pas vu s'il avait compté, dommage. S'il a pas compté. Allez, je suis seul. C'est dedans, ça. Ah, oh, c'est pas rentré, saloperie. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. Winslow, attention. On défend dessus. Voilà. Belle défense. Voilà, et le rebond. Et le petit rebond. Et je l'ai vu tout seul. Arden. Petite passe ici. Je pensais que c'était un autre joueur. On a joué Snell. Shot. Et j'ai payé le rebond. C'est pas grave. Attention, faut revenir sur Augustin. Ou Augustine. Je sais pas. Je connais pas la prononciation exacte de son nom. Là, ils sont en garbage time, je pense. Hein. À part Westside et Aslem. Le reste, c'est des joueurs qui sont pas titulaires, logiquement. Le shot et le rebond. Nickel. Et la passe pour Arden. Tu dois la mettre, ce panier. Tu dois le mettre. Et voilà. Nickel. Allez, là, on commence à bien jouer, là. En contre-attaque. 40-37. 5 points, 5 rebonds, 9 passes D. Pas loin de mon double-double. Ah, j'ai essayé d'intercepter. Le rebond et yes. Allez Arden. Vas-y Arden, tu dois le mettre. Et voilà. Mais tu passes D, ça fait plaisir. Je vais pouvoir me concentrer maintenant sur les rebonds et sur les paniers. 5 points, 6 rebonds, 10 passes D. Ah, dommage. J'ai essayé d'intercepter, mais c'est pas passé. 42-37, il reste 3 minutes 20 dans ce troisième carton. Cette balle au Miami Heat. Terminé à l'intérieur, pénétrer jusqu'au panier. Ok.
Allez, on continue les gars. Il va falloir continuer la défense comme ça. Belle défense. Je défense Gerald Green. Ok. Allez les gars. 5 points, c'est pas assez. Il faut essayer d'avoir beaucoup plus. Attention à l'écran. Un double écran là, attention. Voilà. On est quand même resté bien en place, donc ça c'est nickel. Ah non, j'ai fait une faute, mais une bonne faute. Au moins il marque pas. Et peut-être qu'il pourra pouvoir rater un lancer franc, peut-être. Et non, le premier est dedans. Je sors. Ok, je sors. Donc Dicker rentre à ma place. Et quand je reviens, on perd de 1 point. C'est pas possible. 52-53. On va se réveiller. Je défends sur Wade. Et ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose. Je défends sur Wade. Pour peut-être le canaliser. Voilà, on est bien en défense. On est... Ah non, j'ai mal. J'aurais dû lâcher le L2. Bon, là, j'ai quand même bien défendu jusqu'au bout. Mais j'ai fait une erreur. J'ai oublié de lâcher le L2. Ce qui nous a coûté de nous prendre le 2 points. Allez, vas-y. Allez, non, mais il fallait shotter là. Allez, le rebond. Je vais l'avoir, voilà, bien joué. Tu marques alors? Non, mais faut marquer là. Allez, c'est pas grave. Ah non, pas la contre-attaque. 57-52. Il va falloir se réveiller, les gars. Il va falloir se réveiller, sinon on va perdre ce match. D-Wade est à 12 points. Ok. Allez, les gars. Hop, ça va avoir besoin de vous, hein, mes coéquipiers. Ok, mais bougez pas, je viens de vous demander un truc, mais bon, c'est pas grave. Allez, hop, le shot. Oh, mais je suis vraiment pas en réussite. Hein. Et mes coéquipiers qui font n'importe quoi, le rebond. Mais le rebond 52-59. Je sens vraiment mal ce match, je le sens vraiment mal. Pas pourquoi. Oui, le magnifique dunk. Allez, continue comme ça. Allez, les 5 secondes. Je sais pas s'il y avait 5 secondes, mais en tout cas, non, la défense, les gars. On peut pas se permettre ça. Allez, bordel. Oh, mais non. Et en plus, je fais une erreur comme ça. Allez, non. Ouf. Franchement, là, je fais une erreur. Enfin, j'ai fait des erreurs, mais... Voilà, quoi. La défense, là, j'ai l'impression que ça recommence. 62-54. 63-54. Ça fait 9 points d'écart. Je sais pas pourquoi, mais je le sens mal. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens mal. Allez les gars, faut se réveiller. Allez Harden. Et ils mettent pas, voilà. Harden qui rate ça, quoi. Il est tout seul. Franchement, c'est décevant. C'est vraiment décevant. Attention à l'écran. Voilà, j'ai bien défendu. Allez, contre-attaque. Allez, c'est dedans. Eh ben non. Il prend le match à mon compte, hein, vu que Harden n'arrive pas à marquer. Hop, on va essayer de prendre le match à notre compte. Ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Hein. On verra bien en fin de match si ça aura marché. Non, mais je suis en plein dessus. Oh là là. En plus, le joueur là, il est même pas connu, quoi. Voilà, bien. Les 2 points. Franchement, je suis vraiment concentré. Il faut vraiment qu'on arrive à faire au moins un ou deux stops là. Allez, belle défense. Voilà. Le premier stop est là. Allez, vas-y Harden, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est quoi cette passe?
Gibson, tu râles pas ça. Pouf. Allez. Allez les gars, 58-66. Encore un stop. Encore un. Et un panier marqué, il faut. Voilà, voilà, c'est belle défense, belle défense. Ah, dommage. De toute façon, faut se remplacer. Voilà, on est bien placé. Non, non, il m'a eu encore une fois. J'ai oublié de lâcher le L2. Ah, bordel. 2048, 10 points d'écart. Franchement, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Si on continue à défendre ainsi, ça va être très compliqué. Allez les gars, faut marquer sur chaque action maintenant et il faut réussir à faire un stop ou deux. Sinon, ben, ce sera mort. Allez Harden. Et Harden qui rate ses shots. Oui, le M1. Le M1 de Dwight Howard. Mais il faut qu'il marque. Hein. 60-68. S'il le marque là, ce serait nickel. Ça ferait une action 3 points. Oui, elle est rentrée. Allez les gars, pressing. Pressing. Allez, belle défense là. Il faut faire une belle défense. Faire une belle défense là, please. Ben, belle défense, hein, James. Hein. Bien joué. Purée. Allez, c'est pas grave. On reste concentré. Pas de faute. Pas laisser tirer Westside. Pas laisser tirer Westside. Hein. 61-70. Pas 70. Bon, allez. Hop. On retente encore une fois. Le Quick 24. Il va falloir qu'il marque là, absolument. Faute sur moi, voilà. Faute de Canaan. Il va falloir que je marque les deux lancers francs là. Je marque le premier, nickel. Je me concentre, hein. C'est pour ça que je parle pas. Mais non! Je rate le deuxième, c'est pas possible de rater ça. Pas possible de rater des. Oui, bien joué là, belle interception, allez, vas-y! Allez, Harden! Je vais au rebond s'il faut, oui, les deux. Ah, dommage, le moine. Le moine ne passe pas. En tout cas, j'ai mon double maintenant. Allez, bien joué ça, Harden. Ça me fait chier d'avoir raté ce lancer franc. Allez, Harden, tu le mets. Oui, allez les gars, 6 points d'écart. 6 points d'écart, il reste. Allez les gars, faut faire une belle défense. Sur Wade, allez, faut bien défendre sur Wade là. Faut absolument faire un stop là, maintenant si possible. Non, 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 j'étais gêné. Oui, il rate. Il rate son shot à 3 points. Mais casse-toi, tu m'énerves toi. Ouh, il m'énerve, il me saoule. Ce Canaan là, il me saoule à un point. Ouh. Allez, le rebond, j'ai eu. Faute. Elle rentre. Oh non, elle rentre pas. Dommage. Mais maintenant, faut les mettre, c'est là, c'est franc. Faut les mettre. Allez, faut que je me concentre. Oui, le premier est rentré, nickel. Allez, plus que 5 points d'écart. Allez les gars, il faut le faire. Non mais je rate encore mon deuxième. C'est pas possible que je rate ça. Oui, interception. La passe pour Harden. Harden, mais tu peux pas rater ça. Ouais, c'est bon, là on a perdu je pense. Ah, parce que Harden vient de rater. Et voilà les 2 points. Harden, il a foutu, il a fait un match dégueulasse, Harden. Allez. Oh oui, je le marque. Ouh, je le marque. 68-72. Oh, j'ai de la chance. Oh, j'ai vraiment de la chance, là. Allez, Harden, fais au moins un truc de bien dans ce match. Non, 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 mais tu peux pas. Tu peux pas te faire avoir comme un petit 5 ans, là. Tu te fais avoir comme un petit 5 ans, allez, c'est pas possible. Franchement, je suis dégoûté. 70-74. Mais bon, c'est quasiment mort. Voilà, il va y avoir les lancers francs maintenant. Sauf que voilà, si tu fais des lancers francs sur notre ami Wade, ben, ça va rentrer. Hein. Donc ça, c'est inutile hein, de faire ça, mais bon.
70-74. On va perdre ce match. Merci Harden, merci les gars pour votre défense incroyable. C'était vraiment un plaisir. Je vais tenter hein, les shots. Hein. Voilà. De toute façon les gars, ça sert à rien. On a perdu ce match. Franchement, je suis vraiment dégoûté. Je suis vraiment dégoûté de perdre face à cette équipe. Mais on perd. C'est comme ça. Ils ont été plus forts. 70-78. Ton temps mort, il sert à rien. Tout simplement, il sert à rien, ton temps mort. Il y a 8 points d'écart, il y a 17 secondes. C'est mort. On va perdre ce match. Voilà. Défaite, les amis. C'est dommage. Hein. J'ai rencontré Michael Jordan. Tout un peu, enfin, qui s'appelle Conan, hein, je sais pas trop quoi. C'était Michael Jordan. Ah. Il me sort ou pas? Il sort pas. Ok, il restera 3 secondes pour marquer un panier. Et il demande encore un temps mort. Hein. Temps mort qui sert strictement à rien. Je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu, les gars. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on va retenter le 3 points. Hop. Et 3 points. Et il rentre. Ça va se terminer sur 7 points d'écart. Voilà, les gars. Défaite 73-80. C'est dommage. Hein. C'est dommage, mais bon. C'est comme ça. On sait rien y faire, donc on se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure. Ciao, ciao! Wayne, you had a huge impact out there tonight. Did you feel like you needed to shoulder more of the load than usual? Well, when you're on a basketball floor, you got to do something. You got to make an impact, and I just try to make an impact either way. So our guys did a great job. That's what it's all about right now. You did many things tonight, Wayne. Thank you. Back to you, Kevin. All right, Doris. Thank you. Thank you for joining us. That'll do it for now. This is Kevin Harlan saying thanks for watching. And now we'll head over to the studio with Ernie Johnson. The 2K Sports Postgame Show. Hi again, everybody. This is Ernie Johnson, joined by Shaquille O'Neal and Kenny the Jet Smith. Time now to present our Jordan Player of the Game, Hassan Whiteside. He put up a new season high tonight, and if he keeps shooting like he did tonight before the season's over, he might top it. A big key to his team's victory here. When you talk about Whiteside, you're talking about a guy capable of putting up 20-20 every single night. We've seen him do that more than a few times, and he's going to keep doing it. His rebounding is fantastic. He's always around the ball. And his timing is outstanding. This guy has great shot-blocking instincts. I can't imagine a player having a better night from the field than he had tonight. His shooting percentage was off the charts. He used every trick in the book to get those high-percentage shots. He shot from every direction. And there was a little bit of luck here and there, but he was on fire. And that wraps things up, folks. Thanks for joining us. For Shaquille O'Neal, Kenny the Jet Smith, Kevin Harlan, and the rest of the 2K Sports crew, I'm Ernie Johnson. Good night, everybody. ¶¶